très heureux des 3 points. Ça nous fait 7 points avec 2 matchs à l'extérieur. C'est vraiment un très bon début de saison. Je suis extrêmement mécontent par contre de la qualité de l'arbitrage depuis 3 matchs. On aurait dû gagner à Safi avec un pénalty pas sifflé. Aujourd'hui, on a un but refusé, un pénalty pas sifflé. C'est impossible de concurrencer une équipe à qui on accorde des pénaltys très facilement chaque semaine et nous de jamais rien avoir. Donc je suis très en colère par rapport à ça. Les joueurs ont été extraordinaires, ont eu des qualités de cœur. On a joué bien sûr plus tôt que tout le monde pour faire en sorte qu'on n'ait pas de récupération avec... Après avoir joué un derby samedi soir, jouer le mardi après-midi, c'est incroyable ce qu'ont fait les joueurs au niveau physique. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes, ils ont su aller chercher ce succès. Je suis très heureux et très fier d'eux. Je ne sais pas, je trouve ça dommage parce qu'on fait ce métier-là et on a envie de partager avec les gens. Quand il y a du public, c'est quand même une plus grande motivation. Donc c'est ce qui est dommageable. Maintenant, à nous de nous adapter. C'est pas évident de passer d'un derby dans un stade comble à Mohamed V à jouer aujourd'hui à huis clos. Mais c'est comme ça, ça fait partie de la compétition, il faut l'accepter. المباراة كانت في المستوى بحكم العناصر ديال فريق الرجاء البيضاوي كانوا مركزين في المباراة فالحمد لله استطعنا نسجلوا جوج الاهداف هنايا فالحمد لله كما كتشوف الأرضية ديال الميدان ما كتساعدش على اللاعب كرة القدم فليسونسيال هو 3 بوان. بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة تنشكر اللاعبين على القتالية ديالهم. الحمد لله كنا عازمين باش نجيو نحضروا المقابلة بقوة باش نفوزوا بثلاث نقاط، الحمد لله تأتنا ذلك. وتنشكر اللاعبين على القتالية ديالهم في المقابلة. كما تعرف الجميع المقابلة ما كانت سهلة، حاولنا نضغطوا على الخصم وجاب الله التيسير. كما تعرف الجميع ان ارضيه الملعب ما تتساعدش باش تلعب فيها كره القدم والرياح في داخل الملعب وحاولنا نتغلبوا على هذا الشيء وجنا 3 نقاط اللي خلاتنا